En France, le dépistage de la trisomie 21 est proposé systématiquement à toutes les femmes enceintes, comme nous l'explique le docteur Capucine Coulon, médecin à l'hôpital Jeanne de Flandre. La trisomie 21 est la plus fréquente des anomalies chromosomiques. Elle est due à la présence d'un chromosome 21 surnuméraire et peut se traduire par des malformations, un aspect caractéristique du visage et, systématiquement, une déficience intellectuelle plus ou moins sévère. Le dépistage prénatal permet aux femmes enceintes qui le souhaitent de calculer le risque d'attendre un enfant porteur de la trisomie 21. Les recommandations actuelles préconisent un dépistage au premier trimestre de la grossesse. L'échographie du premier trimestre est effectuée dans une période bien précise, entre 11 semaines d'aménorrhée et 13 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, ce qui correspond à environ 2 mois et demi de grossesse. Elle permet de mesurer l'épaisseur de la clarté nucale du bébé. Ce dépistage est réalisé par un médecin ou par une sage-femme qui dispose d'un numéro d'agrément, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'une évaluation de ses pratiques professionnelles. Si la mesure de la clarté nucale est normale, la patiente pourra effectuer le dosage des marqueurs sériques par une simple prise de sang le jour même de l'échographie ou les jours suivants. Ces deux examens sont sans risque pour la grossesse. Le dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques nécessite un consentement écrit de la patiente et n'est pas obligatoire. Le test combine trois données, l'âge de la patiente, la mesure de la clarté nucale et le dosage des marqueurs sériques. Le résultat du test évalue le risque pour le bébé d'être atteint de la trisomie 21. Il ne s'agit donc pas d'une certitude. Si le résultat du test est compris entre 1 sur 2 et 1 sur 250, le risque d'attendre un enfant porteur de la trisomie 21 est élevé. Le médecin ou la sage-femme informera la patiente des examens complémentaires qui peuvent être proposés. Si le risque est inférieur à 1 sur 1000, le risque d'attendre un enfant porteur de la trisomie 21 est faible. La surveillance de la grossesse sera poursuivie habituellement.